100% souvent. Le dessin numéro 41. Il est déjà en tête pour l'instant provisoire avec 9 des cœurs. Vous l'avez reconnu, bien sûr. La silhouette incomparable, le talent incomparable de William Foxpit, associé cette fois à 6 cookies TSF de 14 ans. William Foxpit, inouï quand même ce qu'on vit maintenant là sur ce 4 étoiles. Foxpit 41.5, deuxième place au provisoire. Hein. Il est sans faute, il se bat lui-même. C'est une situation plutôt agréable ça. Absolument. Et même sans faute, hein, Andrew Nicholson se retrouverait derrière le grand anglais puisque... Deux, trois petites notes de musique. Formalité. Mais tout va bien. Pour économiser tout. Ouais. Tout est tout va bien aussi pour le géant anglais. Lui qui trouvait que le tournant était un peu laid, comme il disait l'an dernier, ouais, à bord de ce gay. J'espère que ça lui conviendra cette année. Un parcours qui intéresse évidemment Lucinda Fredericks, qui est, elle, en pole position avec 2 points de moins que William Foxpit actuellement. Ah oui, avec ce cheval. William Foxpit, 6 cookies. Regardez ça. Mais là, si on doit comparer les deux attitudes des chevaux, on voit Foxpit solliciter une vraie chance de remporter aujourd'hui ce 4 étoiles. Hein. Parce que là, il pouvait le remporter avec Kimbo si tout allait dans son sens et pas tout à fait dans le sens des autres. Mais alors là, avec son gris qui est placé 10e, je pense pas qu'il puisse gagner. Mr. Cruise Control, en effet, 10e et 45.30, alors que Lucinda Frederick est à 39.20 et Foxpit à 43.20. C'est peut-être, je dis bien peut-être, la défaite là maintenant de c'est numéro 1 mondial. C'est un chemin royal tracé pour William. Ah oui. Qui va peut-être faire un coup du chapeau à Pau, on ne sait pas. Même s'il reste énormément de travail à faire. William Foxpit qui a déjà remporté ici avec un sel français, c'était au Slobiat, ce 4 étoiles. En tout cas, lui, William, vous l'avez dit, a une voie royale pour aller chercher une victoire, mais rien n'est jamais joué dans ce sport et notamment Lucinda Fredericks va elle aussi tout tenter. Lucinda est moins sûr que c'est de grands champions. Ouais. Il y aurait de plus en plus d'avoir des fautes sur cette phase. Regardez la belle image là de William Foxpit qu'on a vu au Lion d'Angers se faire très mal au dos. Ouais, il est descendu de son deuxième ou troisième cheval tout à fait bloqué, tombé au sol, il est resté bloqué 15 minutes. Ah ouais. Alors il dit ça va, il m'a dit j'ai pris un vrai coup, même peiné un petit peu à respirer. Mais heureusement, rien de grave. Et là, il est en forme. On le dit sans cesse à Stier Nicolas, mais faire près de 2 mètres, se faire oublier, avoir une gestion du centre de gravité sur des obstacles si larges, sur des contrebas, des contre-hauts. Avec un buste aussi grand, c'est même pas comme s'il avait que des longues jambes. Ah ouais. C'est quand même la preuve de l'expo. Il disait qu'il a passé quelques années très difficiles où il a travaillé que là-dessus. Ils les ont payés. On voit certains chevaux pour qui il faut demander hein, cette troisième foulée. Parce que pas question de retaper devant un obstacle aussi sec et directionnel que celui-ci. Ça dépend de la courbe que les cavaliers prennent, parce que je pense pas que celui-là manque d'action. William Foxpit est toujours sans pénalité à 6 minutes 11, c'est-à-dire un peu plus de mi-chemin de son parcours, alors que Andrew Nicholson, on retrouve l'anglais William Foxpit. Qui est un petit peu en retard, hein, d'après les informations chrono. Ah, attention, hein. Attention. Il demande, là. Hein, ouais. Le cheval répond, en revanche, il n'a pas l'air éprouvé. Attention de ne pas laisser trop de marge à Lucinda Fredericks, qui a déjà 2 points d'avance. On voit William qui s'active. Hein. Ouais, il a dû remarquer aussi qu'il avait pris. Je crois qu'il avait 15-20 secondes de retard à la 6e minute. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Mais peut-être que c'est. On n'avait pas le chrono avec nous, mais peut-être que c'est un endroit où la plupart des couples ont du retard et viennent le récupérer sur ces lignes droites de la fin.
par contre William nous en dira un peu plus. Ouais, et lui, on dirait qu'il a vu Andrew, hein, il a assuré. Ouais. Il a un petit coup de bâton sur l'épaule pour garder concentré. Trois foulées bien sûr, même si la dernière était un tout petit peu loin, ça n'a pas posé de problème à l'anglais. Sur la vraie dernière difficulté, tandis qu'on retrouve Foxpit, qui lui pour l'instant est en pleine forme. Pour la dérobade de 43.20, on passe à 30.80. Il prend la 14e place du provisoire. Ça veut dire qu'il sera très loin, très très loin derrière ce soir. William Foxpit, lui, pour l'instant, est toujours bien avec ce cheval. Il est deuxième au provisoire. Très important pour lui. Il est en pole position avec le seul français 9 de cœur. Il pourrait bien passer devant son premier cheval qui est 43.20, alors que celui-ci est à 41.50. Applaudi par le public connaisseur. On le redécouvre ici. Intéressant de voir sa gestion du chronomètre. Cela dit, il avait, avec beaucoup de facilité, fait son chrono avec son premier cheval en partant en numéro 1. Donc il n'y a pas de raison qu'il se fasse surprendre. Hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. C'est des chevaux différents. Ouais, le parcours, c'est très haut niveau. Donc on va bien voir ce que ça dit. Oh, ça va. On revoit l'entrée du guet avec cette réception toujours un peu spectaculaire. Au milieu du parking, William Foxpit, c'est Cookie. C'est bien, petite caresse pour récompenser l'effort de l'athlète. Foxpit qui ne traîne pas en route évidemment, qui fait ici une belle galopade. Le cheval garde une belle attitude, hein, Stier, malgré déjà beaucoup d'efforts fournis. Il galope bien, les oreilles pointées. Le champion par équipe est en piste donc avec une 11e place après dressage à 45-70. Je vous rappelle que Foxpit, non seulement il est en pole position avec 9 des cœurs, mais qu'avec Cool Mountain, il est 3e. Et qu'avec le cheval qu'on voit ici, il était 4e à l'issue du dressage. Hein. Faut qu'on le revoie encore. On peut finir avec 1, 2, 3 Foxpit. Hein. Ah, ça, je le sens arriver. Ah, ouais. Je sais pas si ça va arriver, mais. Ça serait quand même. Ça, ce serait inouï. Hein. Ça serait assez historique. Ouais. Ah, ouais. Mais il le mérite. Il n'y a pas de hasard. Lui qui était si déçu par le résultat par équipe à Malmö. Ouais. Cette équipe qui est souvent leader, qui ne s'est pas trouvé bien. William Foxpit sur la combinaison de Fédération française d'équitation. Il prend l'option longue. Hein. Mais il a tout le temps. Hein. Ouais. 46 secondes pour rentrer, ça va aller. Attention, comme quoi le retard au milieu de l'hippodrome, ça a l'air normal. Il sollicite hein, quand même. Ah ouais. Il avait une vingtaine de secondes de retard, mais il les rattrape facilement. Très facilement. Extraordinaire. Il risque de faire le plus rapide des temps. Là. Extraordinaire performance là de William Foxpit qui va occuper au provisoire la pole position mais aussi la deuxième place. Voilà. Et attention, hein, je vous rappelle qu'il a encore Cool Mountain qui est troisième. Ah ouais, bien joué. 11-43-71 pour Sikuki TSF, 11-44 pour 11-48. Il prend donc la pole position. Quoi qu'il arrive, 41-50, ce coup de montagne est en 42-20, hein, puisqu'il était troisième en fait. Hein. Donc quoi qu'il arrive, Sikuki restera le leader de l'équipe Foxpit, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. On voit arriver le cheval frais là, qui continue à faire un tour d'honneur au galop. Ça, c'est une belle image aussi. Bien joué, belle gestion de. Ah, voilà, Cédric. Et c'est Cédric Liard qu'on va voir maintenant, que nous avons avec son gris cadeau du roi. Adieu au roi, c'est son pédigré. Un cheval qu'on a vu blanchir d'année en année parce qu'il avait fait des jeunes chevaux, il était gris-souris presque, et comme tous les gris, bien vieillissant, il blanchit. Et Cédric. Superbe galopade. Ouais,
30e au provisoire. Il était déçu, hein, m'a-t-il dit, évidemment. Cédric, il espérait mieux. 51 points, 80. Mais il y a pas mal de contre-performances aujourd'hui. Donc à lui de jouer, Cédric Liard, qui n'a qu'une envie, c'est de revenir lui aussi, évidemment, dans l'équipe numéro 1. Il le mérite, car c'est là aussi un sacré pilote pour les tricolores. Hein. Il peut tirer son épingle du jeu, là, s'il fait un bon cross. Attention, ouais, bien fait. Super. Le public qui applaudit le tricolore, qui remercie d'ailleurs par une caresse sur l'encolure cadeau du roi qui a 11 ans maintenant, qu'il a éduqué sur le cirque. Il y a quelqu'un qui signe des autographes, hein, parce qu'après un beau parcours comme ça, premier, deuxième, il est facile ce concours finalement, William. Oh, je suis content, mais pas vraiment. C'est un cross assez sérieux. Pierre Michelet a produit un cross assez technique, très directionnel, très exigeant, je l'avais pensé. Et, on voit que les chevaux expérimentés sont les meilleurs. Et les cavaliers aussi. Vieux, expérimenté, vieux, entre les deux. Mais non, jusqu'à maintenant, je suis très content. C'est très bien monté pour moi. Le maxi, c'est un peu difficile, peut-être. Mais j'ai pris l'option avant-dernier et j'ai décidé que c'était ma décision. Au bout d'un cross comme ça, il faut arriver sans faute. Hein. Je vois les Français qui le font très, très bien et je suis un peu jaloux. Mais je peux faire ça à la maison, prêt pour l'année prochaine. En France, il y a une expression, jamais 203. Vous êtes déjà à 2 sans faute, 2 maxi aujourd'hui. Donc le troisième avec votre dernier cheval. Voilà, je suis déjà très content. Le dernier, il est aussi un super cheval. Il a fait les champions du monde 2010. J'espère qu'il va bien, mais il n'a pas beaucoup couru récemment. Et c'est exigeant pour lui, et je vais voir. Mais pour monter lui, comme dernier, j'espère que c'est bien. Bah, bonne route, Je suis chaud, excusez-moi.